voilà, c'est le même, c'est facile, c'est bien. Alors, on va commencer par ça, j'ai une petite chose dans ma main. Oui. Alors, dites-nous tout. Alors, ça, c'est un CD. C'est un petit collectif de plusieurs artistes. Ça nous fait un gros plan, là, les enfants, non? Et donc, voilà, moi, j'ai trois chansons dessus où je chante. D'accord. Donc, il y a plusieurs artistes. Donc, moi, j'en ai trois, donc celle que je vais chanter ce soir. Et donc, pour le trouver sur Internet, en fait, voilà, il faut taper El Basila, E-2-L-E-B-A-S-I-L-A. Il y a tout sur moi. Et puis, voilà, il faut me contacter, je vous dirai comment faire. Tout simplement. Tout simplement. Alors, Isabella. Oui. Alors, vous venez d'où déjà? Bordeaux. De Bordeaux, très bien. Donc vous venez faire IDF1, c'est merci de venir jusqu'à nous. Vous faites quoi dans la vie? Je suis secrétaire dans un lycée. Ah, secrétaire dans un lycée. Très bien. Vous les testez sur les étudiants, vos chansons? Non, je crois qu'ils ne le savent même pas que je chante. C'est dommage. Ouais, c'est vrai. Il y a quelques-uns qui le savent, mais bon... Ce soir, ils vous regardent? Je sais pas. Bon. Vous leur avez dit? Oui. Vous leur avez dit que vous partiez à Paris S'ils le savent, c'est par des collègues. D'accord. Voilà, par leur professeur. Donc vous avez un métier et à côté, vous faites de la musique. Voilà. Vous faites des galas, des choses comme ça? Alors pour l'instant, plutôt on enregistre. Donc moi avant, j'ai beaucoup chanté avec un chanteur. Donc on était en duo et on a fait beaucoup de soirées, c'est beaucoup produit. Et puis aujourd'hui, je chante toute seule. Donc je suis plutôt dans l'inédit. Donc voilà, j'ai des auteurs-compositeurs et on est en enregistrement pour l'instant. Très bien, ce soir vous allez nous chanter. Quel est le titre de la chanson? Simple chose. C'est simple. Voilà, auteurs et compositeurs sont là. Et bien, on va les voir après. Alors c'est simple chose. Isabella, notre candidate numéro 3. Bien évidemment. Notre vie sur de bien triste, cette mélodie on perd un peu le courage de croire pour ne plus se donner. Le droit de voir, on rencontre chaque jour plein de gens alors qu'on reste seul. C'est souvent où trouver encore la force d'aimer quand on pense nos routes séparées. Il reste encore ces simples choses pour enfin prendre la pause, devenir encore tes enfants avec des pensées innocentes. Il reste encore ces simples choses qui nous disent ces mots en rose, qui nous rappellent s'est arrêté beaucoup trop souvent. Oh. On fait malgré soi notre chemin, parfois par peur. Le lendemain, on perd un peu le sens des mots que l'on définit. Oh. Au fil du mot, on écrit des phrases inachevées. Rien ne reste, oublié où sont passés tous ces projets qui nous ont fait si bien rêver. Mais il reste encore ces simples choses pour enfin prendre la pause, devenir encore des enfants avec. C'est innocent, mais il reste encore ces simples choses qui nous disent ces mots en rose, qui nous rappellent que le temps s'est arrêté beaucoup trop souvent. S'identifier à des milliers de douleurs, on a si souvent oublié l'histoire que l'on écrit. Maintenant, à l'encre noire, un jour on se rencontra furtivement au détour d'une rue, tout simplement pour rythmer sous un même thème
c'est Proust pour se dire je t'aime. Mais il reste encore ces simples choses pour enfin prendre la pause, devenir encore tes enfants avec des pensées innocentes. Mais il reste encore ces simples choses qui nous disent ces mots en rose, qui nous rappellent que le temps s'est arrêté beaucoup trop souvent. Moi, j'aime bien poser cette question parce que on se rend compte en fait que pour souvent c'est la première. Ouais. Est-ce que c'est plus impressionnant que sur scène? Non. Ou moins impressionnant, oui, c'est plus cool? Oui, parce qu'on ne voit pas les gens en fait. Ben non, il y a pas beaucoup de monde. Quand il y a une proximité, on les voit devant, ils sont là en train de nous regarder, c'est complètement différent. Mais c'est très très bien, j'adore. Bon, c'est bien, donc faut remettre ça lundi. Ah oui. Bon, alors, oui. Jackie, elle est libre, tout va bien. Isabella, tu es libre lundi? Non, je pas pour dîner. On ne recommence pas, toi. Hein. C'est pour dîner, non? Je suis libre lundi. Oui. Hein, les lycéens. Pas pour dîner. Ah non, pas pour dîner. Ah non, mon mari est là. Hein. Ah, voilà, Jacques. D'accord, Isabella, d'accord. Voilà, là, tu te souviens bien. Alors, ça change tout. Bon, alors, si vous avez aimé Isabella, comme moi d'ailleurs, il faut voter pour elle. Comment voter? Trois manières de voter. Le téléphone, 08 92 780 777. Un SMS, vous lancez talent 72 072. L'ordinateur, www.idf1.fr. Vous avez jusqu'à lundi 15h pour voter pour la divine Isabella, que j'applaudis très très fort, candidate numéro 3. Alors moi, je suis avec une amie d'Isabella. Quel est votre prénom? Anémonia. Anémonia. Anémonia, ça y est. Le temps que ça fasse autour du cerveau, que ça redescende jusqu'à la bouche, il se passe un temps, toujours, un petit peu long des fois. Alors, vous connaissez depuis combien de temps? Ouf, ça doit faire 19 ans maintenant, je pense. Ouais, 19 ans. Vous étiez donc à la maternelle ensemble? Au lycée. Au lycée. Moi, à votre place, j'aurais sauté sur l'occasion, j'aurais dit même à la maternité, oui. Mais bon. Alors, donc vous étiez au lycée ensemble, donc vous êtes restés amis. Tout à fait. Donc vous avez vécu un petit peu toute cette envie grandissante au fur et à mesure des années de vouloir devenir chanteuse, de chanter, de... Est-ce que vous êtes chanteuse vous aussi? Non, pas du tout. Vous partagez pas du tout la même passion alors? J'écris, mais je ne chante pas. Ah, et est-ce que vous écrivez pour Isabella? J'écris cette chanson, c'est simple. Ah, c'est vous qui avez écrit cette chanson, donc vous êtes l'auteur? Oui. Bah bravo, déjà on peut applaudir. Très fort. Ah bah c'est une belle rencontre alors. Bah c'est une très très belle rencontre, on se connaît depuis 19 ans et elle chantait au lycée. Je l'encourageais parce que je trouvais qu'elle avait un don. Enfin moi, elle me donne des frissons quand elle chante. Et quand elle a chanté devant un public, ça a été le même cas. Donc on l'a poussée tous ensemble. En fait. D'accord, et donc lundi, il faut qu'elle revienne. Il faut absolument qu'elle revienne et voter pour elle. C'est la candidate numéro 3. C'est voilà. Très bien, allez, on les applaudit très fort.